Et en fait, là maintenant, Twitch par exemple, il réclame 25 dollars pour que l'affiliation elle soit retirée, gros. Et ça dit à cause de frais, je sais pas quoi. Comment ça des frais, mon ref? Comment ça? En vrai, c'est juste que ça leur casse les couilles de... Ah, je me suis trompé. J'aurais pu avoir deux kills. En fait, la vérité, les gars, genre, il faut arrêter de mentir, tu vois, à un moment donné. C'est que ça leur casse les couilles de supprimer des affiliations, tout ça, à des mecs où ils savent parfaitement qu'ils vont stream aussi chez la concurrence. C'est histoire de, ok, on perd de l'argent, mais on va regratter encore un petit coup, tu vois. Alors que ces pauvres petites personnes, ils leur prennent déjà 50%. C'est pas dingue, ça? Attention, les gars. Moi, il y a quand même un discours que je vais tenir qui est vachement important. C'est grâce à Twitch que j'en suis là, tu vois. Donc, forcément, je les remercie et je les aime, tu vois. J'aime cette plateforme. J'aime la regarder en off, tout ça et tout. Mais ce qu'elle est en train de devenir actuellement... Eh bien, le joueur Game Boy, t'as pas réussi à me lock. Relève-toi, ma poule. Salope. Drone hostile dans la zone. Les gars, c'est bizarre de voir leur faire une game avec cette arme. Est-ce que c'est preuve de masochisme ou c'est normal? Tu l'aimes, mais t'es déçu, on est tous déçus. Ouais, en fait, on le voit, les gars. Genre, nous qui sommes passionnés de gaming, qui sommes passionnés de stream, de développement, de plateforme, tout ça et tout. En fait, ça fait mal au cœur de voir un truc que tu kiffes, un truc sur lequel t'as grandi, prendre un aussi mauvais chemin. Après, c'est le format américain, c'est... Ça fait des trucs de ouf. C'est prêt à fonctionner à perte pendant tant de temps. Mais dès que ça fonctionne, mais ça essaie d'être le plus rentable possible. Oh, vous me cassez les couilles à faire que me regarder. Regardez bien, chat. Regardez Netflix. Netflix, au début, tu pouvais filer je sais pas combien de comptes à je sais pas combien de personnes différentes. C'était cool as fuck, friendly as fuck. Genre la vérité, il y avait... En vrai, c'était trop cool, les gars, Netflix. Et Netflix, les gars, bah, c'est devenu une belle bande de fils de pute. Hein. Enfin...
pas sûr. Merci Super Bob pour les 19 mois, Barba pour les 20 mois, Leak pour les 100 bits, Crick pour les 100 bits aussi. Vous imaginez, avant sur Warzone 1, j'aurais hurlé pour des trucs comme ça. Celui-là, les gars, c'est tellement de la merde. Il est tellement à chier ce Warzone, chat. Ça me choque même pas. Je suis en mode... Ouais, je suis mort, tu... Je suis mort à travers un truc, là. Avec 3 ans de développement en plus, ils ont réussi à faire un truc moins bien que le 1. C'est quand même dingue, hein. Mais là, il y a la nouvelle map qui a été annoncée à... À Los Angeles. Je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un mec, qui te tabasse. Du coup, il faudra... Je me demande à quoi elle ressemblera, les gars. Si elle sera bien ou pas. Vous pensez qu'elle va être bien la prochaine map, les gars, ou que ça va être de la merde, genre une merde incroyable? On va essayer la... Amsterdam, c'est ça? J'en ai aucune idée, frérot. Oh merde! Mais non, c'est encore le stream hacker. Drone ennemi au-dessus. Tata? Ça va faire 3-4 jours qu'on l'a dans nos games, celui-là. Enfin, ou Tata, peut-être qu'il est occupé à faire autre chose. Vu qu'on est en semaine. Un modérateur, prenez son pseudo et tout. Si on le revoit aujourd'hui, vous m'envoyez le truc en fin de journée, on fait sauter son compte, ok? Ça aurait pu on va le dresser, les gars, cette salope. Elle fait mal cette SBT. En fait, cette arme, je voulais l'essayer, elle fait vachement mal, ouais, frérot. C'est. La meilleure époque, c'est Résu avec les armes Vanguard MP40. Bah, la MP40, elle a fait plaisir hein, en résurgence. Hein. C'est vrai qu'on a passé des sacrés moments, putain. Moi, je dis que le meilleur moment, les gars, c'était quand je faisais des top 1 sans armes sur Verdansk. Top 1 sans aucune arme sur Verdansk. Juste avec des termites et des paralysantes. Encore maintenant, les gens en parlent comme un truc légendaire, gros. K98, t'étais trop chaud. Tous les snipers en général, frérot, je suis un monstre, en vrai. Mais le problème, là, c'est que bah, vraiment, les snipers, ils puent la merde. Genre, on doit mettre des balles explosives et tirer dans la tête pour tuer. On est où, les gars? Des balles explosives et tirer dans la tête. Genre... avec des armes, des snipers lourds. Le couteau. Oh, l'esquive. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Ennemi dans la
En fait, vous avez vu à quel point elle dépop vite cette arme? Elle fait trop mal, les gars. Regardez la cadence. Elle crache de la balle. Elle est crado, cette balle, hein, ce truc. Hein. Le meilleur moment, c'était le gitan. Hier, on a rigolé. Hein. Hier, les gars, on a bien rigolé. Hein. Putain, c'était une bonne session de live. Je crois. Bah, dis pas ça, gros. Tu peux t'en sortir, réfléchir, regarde autour de toi. Tu vas le faire. C'est vers où, là? Comment ça, chatte à ma mère? Je suis sûr que t'es le genre de merde qui est caché là-bas, ça doit être toi, ça. Oh, du con, c'est toi, j'ai raison, non? En fait, ce genre de joueurs qui sont en stress et tout, ils prennent des positions qui sont tellement obvious slash stupides que... T'as juste à regarder, en fait, en fait, regarde, j'ai fait ça, les gars, je me suis dit, non, c'est hors zone, il aurait pas les couilles d'être là, il reste quoi? Il reste que cette maison à la con. Bref, au final, c'est évident. Ah, il y a un monde. Il y a un monde, hein, les gars. En vrai, je... Il y a un monde, moi j'ai envie d'y croire. C'est fou de jouer comme ça, non? Regardez, il va repasser en dessous, les gars. Il va faire tout le tour, il va se retrouver à ma gauche. Je lui mets juste une para, il est mort. Sort tranquillement avec le bouclier, on carre le passage, on voit un peu ce qu'il y a. Non bah chez vous, c'est moi qui ai inventé la méta des WSOW, les gars. Tous les tryharders qui me haient parce que je suis meilleur qu'eux en jouant en fun, ils ont été obligés de recopier mon gameplay. Oh, le dernier, c'est un joueur nuck, les gars, regardez-le. Regardez-le. Regardez-le, les gars. Est-ce que vous voyez ou pas? Regardez sa life. Sa life de merde. Hey man, you suck, fucking bitch. Man. You skin nuck. You skin nuck. You fucking shit, bitch. You suck. You suck, bad player. Allez, back to back. Hein. C'est comme ça. Le joueur nuck, gros, il est sorti de sa cachette, gros, il a essayé de me tuer. Il a direct envoyé deux paras. Il a couru. Ah, j'ai couru du mauvais côté. Ah, comment je vais faire pour tuer Shoan? Noob.